terrible. Alors j'avoue, je suis dans ma phase manga. Mais je sais pas, j'avais envie de vous en parler. Pour fichu là. Alors girl, woman, man, femme, femelle, laisse-moi te parler de... Haikyuu est un manga écrit et dessiné par Haruki Furudette. Pour ce qui est de l'animation, c'est le studio Production IG qui s'en occupe. Et juste pour dire, c'est la production qui a coproduit l'attaque des titans. Normalement, quand t'entends ça, ça doit te faire un... À propos de l'histoire, nous suivons Hinata Shoyo, fan de volleyball. La petite particularité, si je puis dire, c'est que Hinata est de petite taille. Mais malgré cela, il est déterminé. Il s'est donc lancé à créer une équipe avec ses amis. Ils se sont battus tant bien que mal contre le roi Tobio Kageyama, mais ils se sont rendus compte qu'ils avaient pas le niveau. Mais toujours déterminé, il s'entraîne et se dit que vas-y, un jour, je vais les surpasser. Mais plus tard, Shoyo s'inscrit dans un club de volley et il se rend compte qu'il y a Tobio Kageyama avec lui. Son rival. Et du coup, ils devront faire équipe ensemble et... Tachi! Qu'est-ce que t'as? Alors je sais déjà ce que tu vas dire et je sais déjà que t'as un shonen classique pur et dur négro, c'est vrai? Mais avant de te dire ce que j'aime, déjà faut savoir que moi je suis pas très fan de voler, tout ça, je l'ai fait au collège. C'est quoi cette gueule? En plus j'avoue, quand je me disais Japon et volleyball, je pensais tout de suite à... Pervers. Non mais IQ, franchement au niveau de l'animation, elle est lourde. Non mais j'avoue, ils arrivent à me faire kiffer le sport parce que faut savoir aussi que moi je suis pas très sport. Fume-le à fond parce que j'ai pas, je trouve que... Les autres membres de l'équipe aussi ils passent bien. C'est pas genre tu vas kiffer que sur Shoyo ou Kageyama, mais même les autres je pense que tu seras à fond. Ah, je t'ai vu, t'étais à fond. L'animation au niveau des mouvements, elle est fou. Pourtant, c'est un sport rapide, toi. Tu vois bien le mouvement des corps, tu ressens bien l'intensité des matchs, tu vois bien la balle, la rotation, ce qu'elle fait et tout. T'es pas perdu, c'est pas mal fait, c'est... du lourd. Shoyo! Parle un petit peu de l'OST. Lourd. Et donc voilà. Bon, tu l'as compris, c'est un anime que je te conseille fortement. C'est un anime qui va te donner de la niaque. Et je pense que je referai des vidéos sur le manga, parce que j'avoue, je kiffe ça en fait. Donc j'ai plein de mangas à mettre en vidéo en fait. Donc il y aura des petites vidéos. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Ciao.